moun yo pas réalisé que situation économique que n'a vive jodi a en septembre 2021 ak sel bagay ko ka comparer c'est coup d'état. Ça veut dire que 91 12 13 14 c'est seul ça seulement qui semble avec ça n'a vive sur le plan économique parce que c'est seule époque ça où tu gagne 3 ans consécutifs avec une croissance économique négative. Donc pays a pas connu ça pendant 30 ans à l'exception de l'été gain coup d'état en 91. C'est pour dire que 2019, 2020, 2021 que haïtien a vivre jodia, c'est pour situation que des moun depuis les au fait que j'en mouais en termes de précarité, de misère, de problème de chômage, mais en même temps qui vinn coïncider avec une situation de violence qui est intenable. Mm-hmm. Parce que quantité moun qui mouri par balle jodia, li deux fois plus que moun qui était mouri en 2004. Qui ont un coup d'état. Donc c'est pour dire que ça n'a vive jodi a là son bagage qui particulièrement grave et ou comprendre naturellement pour qui ça que des moun besoin quitter pays a pour aller l'autre côté. Mm-hmm. Et c'est pas des bagages que n'a gardé dans perception dans yeux nous. Il y a des chiffres aussi. Il y a des chiffres qui clairs sur ça. Par exemple partager quelqu'un avec nous et pas connaît l'en parler de croissance négative, c'est ça? C'est ça. À partir de qui ça qui ça bon, ça traduit. Croissance t'en veut dire qui ça? Qui j'ai activité économique dans le pays a évolué son année. En 2019, il était moins 1.7%. Ça veut dire que, au lieu que nous faisons progrès, au lieu que nous créons richesse, au lieu que nous créons emploi, c'est perdu, nous t'es perdu. En 2020, il était moins 3.3%. Donc, le pays a pas créé richesse. Et il n'a pas créé richesse, à l'inverse, c'est misère que le créé. Et en 2021, année à beaucoup fini, mais BRH déjà prévoit moins 2.3% de croissance. Donc ça fait 3 années consécutives que le pays a, au lieu de créer richesse, c'est pauvreté l'a créé. Pendant que la population a augmenté. Parce que c'est deux éléments ça va regarder. C'est qui quantité de richesse qu'a créé et qui quantité de monde qu'a augmenté. C'est un coup ou même Pierre Onel qui ont famille la caillou. On dit qu'on a 2 petites. Et l'année prochaine, il aurait du salaire et on vient 3 petites. Mm-hmm. C'est exactement ça Haïti a fait chaque année. N'a gagné plus monde. Pendant que ça nous gagne pour nous séparer comme l'argent, comme ressources là, vient pipiti. Monsieur te gagne petit, il vient gagner un petit en plus. Pendant que vous coupez salaire. Pendant que salaire, il vient pipiti. Et c'est exactement l'image ça. Et quand c'est des gens qui travaillent, ils ne pile. Du tout. Et là, on a parlé de monde qui travaille, qui peut-être te gon salaire, mais qui gon petit monde qui vient gon deuxième, mais qui n'a pas gagné du tout, mais qui fait petit. Exactement. Et c'est eux qui fait plus petit tout. Exactement. Donc, l'on a toute situation ça, mettez sous la vie chère, côté moun nan, pas qu'à fonctionner du tout. Parce que chaque fois qu'on entreprise en Haïti qui ferme, on comprend que c'est 20 moun qui tapent là dans l'eau qui suspendent vivre. Mais nous, on est qui j'en bas là en Haïti, c'est solidarité. C'est-à-dire que moun sa a gon spaghetti qu'à manger, li gon café à compain, et le partage là avec voisin. Donc, chaque fois qu'on entreprise qui ferme, qui délocalise qu'à Saint-Domingue, chaque fois qu'on entrepreneur qui assassiné, que tes business qui ferme, chaque fois qu'il y a des professionnels qui quittent le pays pour aller l'autre côté, donc quelque part, ils posent un problème et ils viennent affecter la situation davantage. Je regarde des chiffres, ces domaines publiés récemment. Seulement l'année passée, en 2020, il y a 106 000 visas en Haïti. Donc imaginez que vous avez une quantité qui pas tourné. Et des fois plus que ça qui pas tourné. Qui ça qui tourne. Juste réfléchis bien à qui rythme que vous avez allé. Et 2021, tendance en plus toujours, nous avons un chiffre pour nous parler de ça. Donc c'est pour dire que tout le monde a parlé en pile, il y a qui a blâmé, il y a qui a États-Unis, il y a des qui a stigmatisé. Mais vous ne pas comprendre que la situation économique qui te fait que vous ici, et c'est peut-être même bagarre qui va suivre ta encore une fois qui fait que vous avez cherché opportunité. Donc c'est opportunité qui fait que vous déplacer. Si vous êtes bien en Haïti, personne n'a besoin de quitter. C'est parce que nous n'avons pas bien. Mm-hmm. Et m'a regardé dernièrement un rapport Forum économique mondial. Haïti avec Sierra Leone, classé comme 2 pays, côté que citoyens, pas ta remède était dans le pays. Donc ça veut dire que presque 65% de population de pays ça, moun yo pas envie de continuer à vivre dans le pays. Yo. Donc, son situation est extrêmement grave. L'on espace qui cher à vous, qui habitué à vous, qui identité ou. Et puis, ou d'où pas vérité, parce que y a danger pour mourir, y a danger pour kidnapper, mais surtout misère là. Mais pire que ça, moun yo pa wè espoir. Et c'est ça qui est grave là. Parce que, en situation capable difficile, je dis à Pérenel. Mais si vous pensez que vous êtes capable de bon dans 1 an, le ça, vous capable de brinquer, vous capable de résister.
Mais là, mon ap gade, c'est bataille pour pouvoir gen là. C'est remaniement ministériel qui a parlé. Personne pas intéressé à ni moun nan sud. Personne pas intéressé à ni moun qui en bas pont Texas. Donc, c'est normal que Haïtien perdu espoir. Ni moun qui gen l'argent, ni moun qui businessman, ni professionnel, ni chômeur. Tout moun besoin aller n'importe qui côté dans le monde là, sauf Haïti. Nous vivons un problème économique, mais qui gagne une origine politique. Et là, ça remonte dans la forme de gouvernance que le pays connaît, je dis, ou a connaît, ça fait longtemps. Donc, pour résoudre le problème, ça, pour stopper vague haïtien qui a quitté le pays, parce que je dis, c'est pas seulement de monde qui a pris chercher travail, il y a de monde qui gagne de bon travail, qui a quitté le pays. Donc, c'est dans la politique là pour aller, c'est là pour nous chercher solution. Absolument. Moi, je dis ça. Et politique qui a l'économie en otage en Haïti. Ça veut dire politique là, prend li, li empêche le fonctionner. Parce que il y a des gens qui n'ont pas réalisé que ni violence, ni gang, ni kidnapping, ils ont généralement gagné des embranchements avec politique. Ça veut dire que souvent, c'est des acteurs politiques d'un côté comme de l'autre qui ont utilisé la violence là, dans l'intérêt pas eux, ou encore des acteurs économiques. Donc, tout ça, ils ont gagné. Et c'est dommage que moun sa yo ki deye mouvement sa yo, mouvement achete zam, mouvement fè zam rentre, mouvement katouche rentre, bay bandi l'ajan, yo pa intéressé avec ni condition vie moun, ni question business moun ki pa capable fonctionner jodi a la. Donc quelque part, réponse nan jodi la, li chita nan décision politique, li chita nan gouvernance politique, mais là, faut qu'ou gen moun ki non seulement conscient, faut qu'ou gen moun ki capable. Il faut qu'il y ait des gens qui sont patriotes, qui sont capables de sentir nécessité pour qu'ils agissent en conséquence. Mais c'est dommage, c'est pratiquement, mon ambassadeur français a parlé de ça, son équipe de affairistes, son équipe de mafia qui prend pouvoir en Haïti pendant longtemps, et réflexion, pas qu'il n'y a aucun rapport avec la question de monde, ni avec la condition de la vie. Et c'est pour ça, une question bien simple que je pose à tout le monde. Moi, je dis tel nègre de sénateur, tel nèg de député, tel nèg de président, ou estime que ton grand président, ou un grand sénateur, ou un grand député. Posez tête ton seule question. Est-ce que condition la vie nous améliore? Et de pour pas qu'à répondre question positivement, ça veut dire que c'est en face échec nous. Si pays a été bon, 1 million moun pas tap quitté pays a de 2010 à nos jours. Et ça chiffre. 1 million moun. Presque 1 million moun quitté pays a de 2010 à nos jours. Il pas tap fait, si pays a été bon. C'est parce que c'est condition pays a qui pousse moun yo. Et c'est pour ça que je pas d'accord, personne moun a ni stigmatisé, a ni critiqué décision que moun a pris, ni pour quitter, ou encore ni pour déplacer de un pays à l'autre. Le mal aux États-Unis ou au Canada, moi quand on pile moun qui t'a aimé venir faire vieux jour ici, qui t'a aimé venir investir ici, mais dans quelles conditions? Parce que niveau risque qui est associé avec moun qui a fait business ici, fait que il est tellement fragile. Il y a très peu de monde qui est intéressé à risquer vie dans une condition comme ça. Parce que, moi, je dis ça. Diaspora a voyé 3,4 milliards de dollars en Haïti, mais ce n'est pas ça seulement que vous possédez. Chiffre parle de 50 à 60 milliards de dollars que Diaspora a gagné comme revenu par année. Donc, les euros et 3 milliards, c'est un peu 5% de ça que vous possédez que vous voyez en Haïti. En réalité. Non, mais ça vous voyez, en tout, est-ce que. Aider dans. Est-ce que l'organiser. Oh, et généralement, aller nous permettre que nous organiser, survivre et des de biens de première nécessité. Et une raison qu'il ne faut pas qu'il y ait un impact transfert diaspora. C'est parce que ça, moun qui recevra transfert à pas acheter, c'est l'autre bonne sortie. C'est-à-dire l'argent retourne. C'est là pour comprendre. L'argent retourne. L'argent retourne encore. Ça veut dire que, un petit guerrier, ou un cousin qui vaut 50 dollars pour, ou l'acheter qui ça? Ou l'acheter valise pour petit tout. Ou l'acheter cornflex pour mettre dans la boîte. Ou l'acheter et n'est pas sauvé. Mais, quoi bagage ça, faut acheter pas de dentifrice pour utiliser. Donc, si m'acheter bien qui sorti l'autre bord avec comme transfert sur l'autre bord, l'argent tourne. Et qui s'achève, je dis, 70% de produits que nous avons consommé sur l'autre bord. Donc, pour capable changer ce cycle-là, pour que le transfert soit capable utile, faut que nous arrivions produit plus en Haïti. Faut un investissement productif pour l'argent capable rété. Donc 3 milliards là, peut-être 1 milliard carité, 1.5 milliard carité, 2 milliards carité. Donc tout autant nous pas arriver faire production
en Haïti, l'argent transféré a retourné Saint-Domingue, l'a retourné États-Unis, l'a retourné en Chine, que c'est trois pays ça que nous achetons plus pour du nom chaque année. Haïti fait transfert l'argent à Saint-Domingue pour plus que 100 millions de dollars américains en 2020. Transfert l'argent. Donc Haïti vient troisième pays. Haïti c'est troisième pays après États-Unis avec Espagne qui fait plus transfert à Saint-Domingue 2020. En 2021, chiffre beaucoup disponible, mais les map garde volume moun qui braler. Moi bon garanti chiffre ça ca deux fois plus. Moun ka installer famille, étudiant ka l'école, entrepreneur, toute qualité moun. Donc nous gon fuite cap fait et cerveau et main d'œuvre et l'argent. Donc son pays cap crasé. Son pays cap crasé. Et dommage que moun cap dirige encore une fois, yo indifférent. Yo insensible. Moi sûr que jodi a la si gon réunion cap fait dans niveau l'état, l'a fait sous qui jeune bra gérer prochain remaniement. Oui, oui. Je suis que le bras fait dans qui j'en ka font comme avant pouvoir finir. Je vais regarder avec la peine directeur protection civile au CAI, qui dit que après un mois et demi, réponse que l'État baille à moun qui victime yo, pas touché 7% victime. C'est grave, oui. On parle de. Au CAI, en grand sud là. Ça veut dire que problème pays, pas problème moun kap dirige yo. Ça fait pas nous. N'a pas les haïtiens qui ont quitté le pays. Et là, prenant pile temps pour reconvaincre des gens qui quittent le pays dans le contexte, dans la condition, avec toutes les ressources, faire un business, vendre caille, avec toute formation. Là, je rencontre un entrepreneur qui est dans l'assurance. Je dis, monsieur, qui j'ai business, qui j'ai activité, il est économiste. Quatre mois qui pourrait aller, fait un peu mal que la vente m'a baissé. Vous comprenez? Des cadres dans l'entreprise là, professionnels, qui a quitté, dérangé plus que 20 mois de piba. Ça veut dire qu'il fait plus mal. Je m'a regardé des gens qui ont 15 ans avec moi, qui formaient, qui ont parti, qui ont cherché l'autre monde avec peut-être pas compétence même genre, pour nous reformer, pour reprendre expérience encore. Donc, on est en train de détruire un pays silencieusement et malheureusement. Activité gang, insécurité et tout problème qui gagne et c'est ça qui est toute base là. C'est instabilité politique avec insécurité qui fait que business ne va pas marcher. Et là, il ne va pas marcher, l'État va gagner recette. L'État va gagner recette, il n'a pas faire intervention. Mettez sous corruption, mettez sous ensemble de l'autre pratique. Mais ça qui est dû, c'est que ou pas gagner l'impression que l'État va côté nous. Ouais. Ma bgade des messieurs avec des missionnaires dit que l'État font cela avec gang. Daniel Fout. Moi, il y a un monde qui va faire phrase ça dans l'être là. Monsieur dit l'État font cela avec gang. Et son monde qui bien placé qui dit. Et nous te connaissons déjà. Son officiel qui dit. Donc ça veut dire que nous en face, yon l'État qui pas intéressé à problème nous, et c'est pas jodi à ça commencer. Et côté que yo poussé de nous dehors en tant que citoyen, monde qui rete c'est monde qui vraiment pas connait continue quoi ou peut-être pas gain moyen pour partir. Et moi crois que je dis à appel là solution n'est pas en bas compte exact solution certes il y a des monde qui a supporté m'apprécie moi diaspora qui a aidé mon yo qui a traversé avec yo mais solution c'est là que le chita dans qui gens pour que nous fait que la caille nous capable bien pour nous vivre et lui mandé pour que gagner monde qui conscient demande pour moun ki gen capacité mais aussi moun ki gen dimension pour capable prendre décision que supposé prendre pour que économie pays a capable marcher pour que société a capable vivre pour que infrastructure a de qualité pour que moun ka gen accès aux services qui j'en veut pour moun n'yo pas quitter là que jodi a ou gen tout problème ça dans zone yo dans Matissan m'a regardé lycée Jacques Roumain dans Grand Avin. Il y a 5 ans fermé. 2016. Depuis 2016, lycée Grand Avin n'a fermé, il pas ka marcher. Donc qui sort dit moun sa yo? Et c'est ça la situation. Donc moi gen moun k'ap chercher solution ailleurs, solution là. Donc wòl nou c'est ranger la caille. Ranger la caille nous pour que pays a capable vivable pour moun ki la yo et moun ki te quitté pendant 10 dernières années, pour 20 dernières années pour retourner.
parce que nous besoin yo à compétence yo à moyen yo mais avec réseau contact que établi dans le pays que y a vivre c'est possible avec la KL développer un pays guerrier son processus scientifique il pas aucun bail magie là-dedans pays au fait moi fait expérience moi me fait 3 ans vivre Taïwan pays ça 50 ans de cela il y a pas de plus bon passé non Hong Kong etc. Yo rive construit avec diaspora yo plus moun ki sur place avec gouvernement qui responsable qui intéressé à pays ya pour mettre l'ordre discipline respect la loi avec un objectif avec des agendas qui clair mais c'est dommage tout moun nan survi tout moun a géré tête yo tout nèg a essayé font bail rapide parce que le connaît pas là pour longtemps mais yo pas rendre compte que pays a vinn vivable et l'invivable guerrier toute la vie tout monde menacé. Donc soit pendant là un gouvernement transition pas cabaoul. Non mais n'a pas parlé, ça n'a pas parlé là pas gain rapport avec transition ou pas. N'a pas parlé de manière, on t'a dit à plus long terme. À plus long terme pour que nous gagnions des monde qui vraiment dans dimension question yo mais aussi qui dépasser intérêt personnel yo. Et c'est ça que nous ouais pendant longtemps. Parce que échec ça n'a pas garde là. Image de était exact ça. Li vle di exactement moun ki la yo a moun ki te la yo pat ap bien dirije peyi a fon clair sou li et ouais. Nous tellement a fait d'expérience de moun ki pa bay résultat c'est comme si moun sa yo pa la et pourtant yo la mais c'est souvent à travers élection nous fait de choix qui menen nous là et ou on formule comment nous capable prendre distance à type de moun sa yo n'a élu n'a mette au pouvoir et qui bay nous même résultat sa yo je dis je pense qu'il y a deux bagailles, je dis trois. D'abord, c'est processus électoral là qui t'a supposé plus transparent et plus fiable. Mais deuxièmement, c'est le financement électoral. Qui j'en moun ba moun l'argent le bral l'élection. Ça très déterminant dans la qualité pays qu'on bral gagne après. Ça dit que nèg qui ba l'argent, li vin ou pas ka di l'an après. Ou encore, li vin opulent pour le faire salver. Mais troisième élément, c'est l'éducation. Et c'est dans ça mieux. Depuis pratiquement 17 ans, m'a monté descendre dans pays ya et m'a continué faire chaque jour que m'est capable pour que citoyen ça qui pral prendre décision voter ya pour connait qui meilleure façon pour voter parce que c'est grain vote qui pral déterminer qui qualité moun qui pral là et c'est qualité moun qui pral là qui pral déterminer qui qualité politique que pral employer et c'est qualité politique qui pral déterminer qui qualité la vie que nous pral gagner son cyclier. Donc vote moyen déterminer qualité la vie que m'gagne. Donc chaque fois nous voter mal, nous conditionner 4-5 prochaines années nous pour passer mal. Et c'est ça pour comprendre. Ou encore et gens que un financement élection a fait, pas aucun lord dans ça. Moun fait ça ou vle, l'argent sale n'importe qualité bagaille qui a rentré dans élection et c'est même l'argent nèg ça té dans droit qui té dans zam nan qui finance pour capable protéger pour faire ça vle après. Et c'est comme ça pour comprendre. Qui vient faire que jodi a m'a regardé rapport CNDDR là, té gagné 34 gang en 2004. Son en 2004 hein, nous pas pays a été invivable. Té gagné 34 gang. Kou n'a gagné 162. Donc 162 gangs en 2020 et versus 34 gangs en 2004. Plus violent et gain plus. Non, il y a plus zam, il y a plus moun là dedans, il y a plus l'argent dans même. Et il y a plus protection l'état. Gang yo c'est des activités économiques tout. Bien sûr. Moi des biens économiques. Nous même économie. Nous même économistes, comment nous garder circulation et l'argent qui gens gang yo monté qui gens yo constitué yo qui gens yo monté économie yo. Bon écoute, yon nan bagay pour comprendre, yo gagné plusieurs façons que organiser revenu. Mais principalement gang yo existait parce que gen protection. Fon pa jam blize. Le jour que nèg sa ki gen pouvoir nan men la di chef gang sa sous fond Zak n'a fait ou arrêter. On parle de pouvoir politique. Pouvoir politique. Ma fond parenthèse, la police avec la justice en Haïti gen capacité pour arrêter n'importe qui moun en Haïti dans un jour ou dans deux jours. Et moi dis ça. Souvé à vérifier dans des DCPJ. Si on pas arrêter moun en Haïti, c'est parce que pas gen l'autre pour ça. Ouais, m'clair sur ça. N'importe moun en Haïti capable arrêter dans un jour ou dans deux jours. Ma propétile. Si ça pas fait,
c'est parce que pas gain l'autre pour ça. Parce que dans un certain temps des DCPJ étaient très efficaces. Sous vraiment des policiers là on en opération, ils vont arrêter barbecue n'importe qui monde là. Gon phase yo rivé, yo très près, gon téléphone qui dit yo opération. Ouais. Parce que nous pas veut rivé là. Ouais.